Bien, bonjour à tous, c'est Slenderman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment faire un jacuzzi sur Minecraft. Déjà regardez. Donc là, c'est le jacuzzi normal quoi. Et dès qu'on l'active, pouf, il y a plein de bulles qui se font. Trop cool. Alors, pour faire cela, vous aurez besoin de commande bloc qui est là. Alors, je vous rappelle, pour give un command block, vous faites slash give arrobase p com plus le bouton tabulation. Tab, quoi. Ça va vous afficher ça. Si vous ne savez pas ce que c'est tab, vous tapez la commande, ce que j'ai marqué. Et voilà. Et là, vous aurez un bloc de commande. Vous aurez besoin de redstone aussi, de comparateur, de matériaux pour faire votre jacuzzi quoi, de levier, de seau d'eau, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors donc d'abord vous allez creuser un trou de 3 sur 3 avec 2 de profondeur. Vous allez remplacer, vous mettez tout en le bloc que vous voulez quoi pour faire votre jacuzzi. Mais je suis pas doué. Voilà. Après vous mettez vos dalles si vous faites pareil que moi. Bon, très important, il faut laisser une sortie quoi, de façon à mettre le levier, parce que sinon on peut pas, c'est un bloc devant. Après vous allez creuser là, vous mettez un bloc solide plutôt, c'est mieux. Après on descend dans la mine, on va dire. Voilà, bon, très important là, vous recreusez de 2 de profondeur. Vous mettez votre commande bloc et vous marquez exactement ça. Exactement ce que j'ai marqué. Slash particle, bubble, petite vague 1, petite vague 1, 1, 1, 0,1, 1000. Vous tapez exactement ça. Vous rebouchez. Enfin oui, à 2 de profondeur, je sais pas si j'ai précisé. Comme ça. Après, là, on met le comparateur en mode inversion. Là, on met 2 redstone et on continue jusqu'au bloc de commande. Donc, il y a tout plein de bulles qui vont spawner comme ça. Et vous aurez juste à mettre l'eau par-dessus. Et voilà. Alors, là, si vous voyez des bulles qui traversent ici, c'est pas très grave. Tout simplement, ce que vous aurez à faire, déjà, c'est d'enlever l'eau. Voilà. Vous enlevez l'eau et vous abaissez le command block un bloc plus bas. Comme ça. Pour copier la commande. Et là, non, normalement, il y aura plus de problème. Vous aurez toutes les bulles qui seront dans l'eau. Voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Ou peu importe, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, tchuss! Et là, si on veut jamais reboucher, faut bien mettre des dalles, parce que si on met un bloc, ça bouche le courant et ça marche plus quoi. C'est ballot. Allez, à plus!